Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de figurines Minecraft. On va partir sur la série numéro 18, comme vous pouvez le voir là, qui est la Cute Series. Alors pourquoi Cute? Tout simplement parce que, vous allez voir, donc dedans on peut avoir 13 figurines différentes. Il y en a 12 qu'on voit là, plus une mystère. Et ils ont retravaillé pas mal de design, de pas mal de choses. Donc on a Alex qui est dans un costume, on a Steve et Alex qui sont dans les costumes. On a un mouton qui est très bizarre, on a une chauve-souris toute violette et rose, on a des mobs qui n'existent même pas, ça on dirait un petit singe, ça on dirait une sorte de fantôme ou de vex, mais qui n'existe pas, des pingouins comme ça, j'en ai jamais croisé en tout cas, un creeper qui visiblement a un peu honte parce qu'il a les joues roses, un petit chat, une sorte de torche, on voit qu'il y a une torche sur la tête, on sait pas trop ce que c'est, mais bon, bref, ils ont fait une petite figurine comme ça, un poisson et un cochon, voilà, plus évidemment la figurine mystère. Du coup, il y en a 13 à ouvrir, ça c'est une boîte de 36, hein, donc c'est comme ça que ça arrive normalement chez votre marchand de jouets préféré. Et voilà, donc je vais ouvrir ça et on va commencer l'ouverture des trois premières du coup, et puis on fera une dernière série avec normalement celle mystérieuse si le système des lettres fonctionne toujours, puisque vous avez vu il y a des codes derrière les petites boîtes si vous avez suivi la série précédente. La série précédente ça a un peu loupé parce qu'il nous manque toujours une figurine. J'ai vérifié, j'ai ouvert toutes les autres petites boîtes qui me restaient, je l'ai pas. Donc je vais essayer de la retrouver ailleurs, mais pour l'instant je l'ai pas, donc je peux pas vous la montrer. Mais bref, normalement, sachez qu'au dos des petites boîtes, il y a du coup un numéro de série qui nous permet de savoir ce qu'il y a dans la petite boîte. Donc c'est comme ça que normalement je fais pour pas en ouvrir en double. Mais là, la dernière fois, ça n'a pas fonctionné. Bref, je vous retrouve tout de suite avec les trois premières figurines. Et du coup, voilà, on se retrouve avec donc trois petites boîtes de mini-figurines donc de la série 18, hein, toujours. C'est parti pour la première. Hop. Oh, on a un petit papier dedans, voilà, qui pour récapituler tout ce qu'on peut avoir du coup. Plutôt sympa pour suivre sa collection, quand on les achète pas tous ensemble évidemment. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah on a le petit chat, ok, très bien. Le petit chat tout mignon, ah oui, c'est bon, vous le voyez suffisamment, il est pas tout flou. Donc il est orange et bleu, hein. Je sais pas si vous voyez plutôt du orange ou du jaune à la caméra, mais il est bien orange. Orange assez foncé, même en vrai. Très bien, bon bah parfait. Le premier, c'est fait. Alors, deuxième petite boîte. Hop. Ah, on a le poisson. Espèce de poisson globe un peu retravaillé. On ne sait pas trop si c'est un poulpe ou un poisson, parce que ça ressemble plus à un poulpe de Minecraft, mais bon. J'aime beaucoup sa petite bouille. Je trouve ça trop mignon. Très bien, très bien. Bon, bah, il est orange lui aussi. Hein. Alors, je ne vous ai pas montré, mais il y avait aussi un petit papier hein, dans la boîte, évidemment. Hop. Oui, il y a un petit papier dedans, ça sert à rien, c'est la même chose à chaque fois. Du coup, dernière figurine du jour, et nous avons, ce qui pour moi est inqualifiable, une sorte de robot, puisqu'il a une torche sur la tête, un écran devant, ou une sorte de pince à la place des bras. C'est assez étrange, mais bon, pourquoi pas, hein. Je sais même pas s'il peut tenir debout. Ah si, si, c'est bon. Ils ont quand même fait en sorte que ça puisse tenir debout, parce que les pieds, je sais pas si vous voyez, les pieds sont un peu... sont vraiment mis bizarrement. Je me demandais vraiment si ça allait tenir debout, mais oui, oui, ça tient. Bon bah très bien, on a eu trois petites figurines, donc on a eu au final, on a eu ces trois-là du coup. Donc on a eu le Mindbot, l'Octopus et le Frolicking Feline. Très bien, très bien, bon. Ils ont mis des noms un peu étranges.
Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite, comme d'habitude, à la liker si vous avez apprécié cette petite ouverture. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres ouvertures de mini-figurines Minecraft et d'autres vidéos sur Minecraft. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Ciao, ciao !